élection 2010, yo, vous mettez Matéli, président. Depuis là, ça, vous condamnez le pays pour le pays à te tomber dans le kidnapping, pour le pays à te tomber dans la corruption. Parce que tout le monde le sait. Martelly, c'est un vagabond. Martelly, c'est un voyou. C'est un délinquant de bas étage. Et je dis à nous demander, communauté internationale, pour comprendre que ça n'a pas vivre dans le pays d'Haïti là. Corruption qui est là, kidnapping qui est là, misère qui est là. Il contribue là-dedans. Et je dis à nous demander, communauté internationale là, pour l'accompagner, peuple haïtien, dans ce combat, dans cette bataille pour le respect de la Constitution, dans cette bataille contre la dictature. Et faut que la communauté internationale ça comprenne que parole élection la paléa, eh bien le principal obstacle à cette élection, c'est Jovenel Moïse. Parce qu'on n'a pas qu'à demander le peuple là, parti politique qui est dans l'opposition, monde qui est dans la société civile, pour aller à l'élection, avec qu'on ait quitté mon mandat constitutionnel, mandat fini depuis 7 février 2021, choisi qu'il y ait le pouvoir. Ce n'est pas sérieux. On n'a pas qu'à demander nous, pour aller dans l'élection, et puis Genève là, cap kidnapper moun, cap tuer moun, cap assassiner policier. Ce n'est pas possible. Ou pas capable de parler de l'élection avec un conseil électoral de 9 membres PHTK à la donne. Ce n'est pas possible. Je dis, il faut un gouvernement équilibré avec des personnalités responsables pour favoriser le retour à l'ordre démocratique. Vive! La bataille pour le respect de la Constitution. Nous sommes contre la dictature. Dictature pas jamais retourner encore dans le pays d'Haïti grâce à la mobilisation du peuple haïtien. Bon, merci en pile. Et nous voulons encore nous saluer la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, qui est présent ici dans le local secteur démocratique et populaire. Dans le cadre de la conférence de presse, comité de mobilisation citoyenne pour respect de la Constitution. Alors, avant de arriver plus loin, je m'a pas annoncé nous que pendant n'a pas les là, pendant n'a pas la conférence de presse là, là, actuellement, il y a un huissier, Croix des Bouquets, qui, dans la prison civile, des bouquets et captain ont exécuté l'arrêt ordonnance de la cour d'appel de Port-au-Prince qui ordonnait la libération immédiate de tous les prisonniers politiques du 7 février. Pendant ma parole avec vous là, il y a maître Arnel Rémy qui est sous place pour des bouquets devant prison, il y a maître Marc-Antoine Maisonneuve qui est sous place devant prison pour les bouquets. Il y a un maître Théophin qui est sous place devant prison pour les bouquets. Et il y a tant que vous mettez dehors, les gens ont été arrêtés depuis 7 février 2021 dans l'affaire faux coup d'État, Jovenel qui est accusé une série de citoyens. Tout de suite, vous finissez mettre ça qui est dehors, ça qui est en prison pour les bouquets au dehors. Huissier avec tout avocat, yo, y a monté cabaret parce que y a l'autre monde qui est en prison cabaret. Et nous saluons le courage de cette composition de la cour d'appel de Port-au-Prince qui a rendu cet arrêt ordonnance historique. Nous tous nous déconnaissons, pas de aucune raison pour te mettre en prison. Pouvoir tes besoins, faire diversion. Pour craser mobilisation qui était faite 7 février 2021, qui c'est date du mandat Jovenel Moïse fini, eh bien, nous avons joué un prétexte, nous avons fait une manœuvre, nous avons arrêté un banc de monde à 2h30 du matin, nous avons dit que c'est pour des tas de préparer, mais à la vérité, c'est des gens qui ont dormi, nous avons en pyjama, nous avons en chemise de nuit. Bref, c'était un véritable complot contre la démocratie. Heureusement, la cour d'appel de Port-au-Prince saisit à cet effet, a tranché avec un arrêt historique qui a ordonné la libération de tous les prisonniers du 7 février, particulièrement Dr. Marie-Antoinette Gauthier, agronome Louis Bidot, M. Claude Veillard et Marie-Louise Gauthier,
qui sont haut gradé dans la police et tout l'autre policier qui t'avait dû t'abréger, tout l'autre monde qui t'a dormi et qui a été arrêté. Nous espérons que dans les minutes qui viennent, il y a sorti dans la prison Croix des Bouquets, il y a sorti dans la prison Cabaret parce que décision ça pas capable d'exécuter. Dans cette décision, la Cour dit très clairement que cette décision est exécutoire sur minute, nonobstant toutes les voies de recours. C'est-à-dire, même si le commissaire du gouvernement fait cassation, même si le commissaire du gouvernement fait défense d'exécuter, cela ne peut pas, cela ne doit pas empêcher l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous espérons absolument, dans les minutes qui viennent en prison, hein, nous sommes capables de retrouver famille, Zamio, Captain Yo, et nous saluons tout avocat qui a participé dans la bataille, notamment l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Gervais Charles, Maître Mario Joseph, Maître Maisonneur, Maître Théophane, Maître Arsène Joseph, d'accord, Maître Arnel Rémy, tout avocat qui était dans la bataille, et nous-mêmes dans le secteur démocratique là, non seulement nous sommes mobilisés pour nous dévoyer avocat, nous, ça fait nous là, mais l'autre monde yo yoté là yoté mobilisé pour bataille là on te veut féliciter dans notre secteur démocratique jodi a nous capable dit conférence de presse n'a fait jodi a jodi vendredi 26 mars 2021 c'est une conférence de presse pour nous inviter population à participer massivement, activement, dans trois gros journées de mobilisation nationale qui est lancée sur tout le pays. Mobilisation Port-au-Prince, mobilisation dans ville-provinciale. Et je dis à nous contents, parce que nous constatons que c'est tout le peuple haïtien qui est engagé dans la mobilisation pour respect constitution. C'est tout peuple haïtien qui est engagé dans la bataille contre la dictature. C'est tout peuple haïtien qui a bataille pour construction d'un véritable état de droit en Haïti. Bataille ça, ce n'est pas affaire militant politique lié encore. Ce n'est pas affaire groupe politique lié encore. C'est affaire tout peuple haïtien. Et 28, 29 mars, 30 mars, ensemble avec les organisations de la société civile, nous prenons toute disposition pour nous réussir gros journée mobilisation. Ça, nous pas dire gros journée, gros période mobilisation. Ça. Toute disposition. Déjà prend, société civile là, nous avons écrit la police, Port-au-Prince, nous-mêmes, nous assurons que toute province a manifesté en même temps, c'est-à-dire monde qui dans politique, monde qui dans société civile, mettez ensemble pour réaliser trois gros journées mobilisation contre la dictature pour le respect de la constitution. Parce que nous tous nous connaissons depuis 7 février 2021 mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. Je veux dire à nous féliciter pasteur protestant qui rentre dans la bataille. Parce que nous connaissons protestants et ils ne pas rentrer dans le type de bataille, ça facile. Ça fait la félicité tout pasteur qui est engagé en première ligne dans cette bataille pour le respect de la Constitution, dans cette bataille contre la dictature. Pasteur Forge, félicitations. Pasteur Bataille, félicitations. Pasteur Vincent, félicitations. Pasteur Janvier, Nego Cap, félicitations. Et nous félicitons tout l'autre pasteur qui est engagé dans la bataille. Jodi a, nous constatons tout groupe droits humains dans la bataille. Ouais, RNDDH engagé, CAD engagé, POHDH engagé, Ensemble contre la corruption engagé. C'est le peuple haïtien dans sa diversité qui est engagé dans cette bataille pour la démocratie contre la dictature. Nous sommes tout groupe société civile yo, engagé. Nous sommes collectif 4 décembre engagé. Nous sommes groupe syndicat yo, engagé. Syndicat professeur, Mérilien, Georges Wilbert Franck, on est tous engagés.
syndicat transport du Clos Bénissois, tout l'autre monde est engagé. Les groupes paysans sont engagés, les femmes sont engagées. Et franchement, nous autres du secteur politique, nous saluons cette mobilisation de la société haïtienne. Cet engagement de notre société civile militante dans ce combat pour le respect de la Constitution, dans ce combat contre la dictature. Parce que je dis, c'est nous tous qui menacés. Jovenel Moïse mettait G9 dans le pays. Qui a kidnappé les gens, crasé les gens, qui a assassiné les policiers village de Dieu. Léon Charles va chercher les cadavres pour les familles, enterrer dans la dignité. Léon Charles quitte les chiens pour manger les cadavres des policiers. Il a négocié, il a mis un genou dans les bandits pour qu'il prenne un chat blindé. C'est-à-dire que la vie des policiers n'est pas importante. Les policiers ont aussi leur responsabilité dans cette bataille. Ils ont fait persécuter les professeurs méridiens, ils parlent pas de répression syndicale. Tout le monde engagé aujourd'hui. Ils ont kidnappé tout le monde. Avant, ils m'ont attendu un reportage pour un journaliste, Radio Caraïbe, comme si c'était non. Pourquoi c'est ma guerre sur le Philistin? C'est un bagage extraordinaire. Le reportage a tellement fait bien. Mais son reportage qui est triste, qui est douloureux. On madame, ils ont kidnappé avec Maril. Pendant la sortie dans l'enterrement maman Maril, yo kidnappé le zone Mariani. Yo violé pendant 10 jours devant Maril. Finalement, yo vend caillou, yo cherché 120 000 dollars. Yo baille vagabond yo. Yo dit yo pas blague tous les deux, son seul y a blague. Finalement, monsieur a dit lague madame nan. Madame nan à la caille, li cherché 50 000 dollars encore. Li porté baille voyou yo. Par kidnapper yo. Yo assassiné Maria. Écoutez, c'est triste.